L'animation de cet épisode 19 était juste incroyable. Franchement, j'avais l'impression de regarder un film d'animation. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 19 de Jujutsu Kaisen. Ça se trouve que c'est pas le 19 mais c'est pas grave. D'ailleurs je crois qu'il ne reste plus que 5 épisodes avant la fin de la saison 1. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fera plaisir d'en savoir plus. Mais voilà, l'animation était clairement folle. Et franchement, combien de fois je me suis retapé l'épisode et surtout le moment juste avant le rayon noir. Parce que le titre de cet épisode c'est le rayon noir et c'est juste magnifique. La séquence juste avant l'introduction de ce rayon noir avec tout le monde qui se réunit à l'intérieur d'une goutte d'eau puis qui s'expand, mais c'est juste incroyable. Je sais pas ce qu'ils nous foutent là, Mappa, mais ils sont en train de péter un câble, c'est n'importe quoi. Et en plus, c'est pas le seul choix de réalisation audacieux, parce que ça, en soi, faire de la bonne animation, c'est pas si audacieux que ça, c'est très bien. Mais carrément, ils nous ont mis l'opening à 8 ou 9 minutes de l'épisode, et c'était carrément déjà presque la moitié. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que l'épisode est passé vite, en plus d'une super animation qui est super haletante. Et c'est vrai, en arrivant en plein milieu, alors c'est assez choquant, mais ça arrive vraiment à point nommé. Ils ont préféré faire de l'épisode un vrai épisode et ne pas être coupé par l'opening à n'importe quel moment pour se concentrer sur ça et vraiment sur le moment parfait, l'arrivée de Yuji suite aux nombreux combats de ses autres camarades. Cet épisode, il va continuer avec la suite du combat contre Hanami. Alors là, t'as Kamo, t'as Inumaki et t'as Megumi qui sont juste en train de courir. Et encore une fois, voilà, je te disais que c'était haletant la manière dont ils réalisaient. Ouvrir un épisode sur ça, bah tu comprends pas trop ce qui s'est passé parce que le combat, il en était pas du tout à ce moment. Mais là, ils sont en train de courir, ils stoppent grâce à Inumaki le fléau et ensuite, ils sont en train de le taper. Et ça se passe comme ça, ils ont même pas le temps d'appeler leur prof et tu vois qu'ils comptent juste essayer de l'affaiblir comme ça. Parce que Kamo, il cachait un petit peu une partie de ses pouvoirs parce qu'il est plus puissant que ce qu'il a montré face à Megumi. Il réussit à écorcher le fléau, mais Megumi aussi cachait des choses. Je vous rappelle qu'il était étonné de voir que Megumi avait une arme sur lui. Et première petite explication que t'as sûrement pas dû capter, pourquoi Kamo voulait contacter soit Todo, soit Miwa? Pourquoi? Parce qu'un fléau, c'est quoi? En fait, même un combattant dans Jujutsu Kaisen, c'est quoi le truc le plus dangereux qu'il puisse faire? Oui, extension de territoire. Et comment combattre une extension de territoire? Bah, soit tu réussis à contrer tous les sorts et t'es un boss comme Gojo Satoru, soit c'est la solution la plus évidente normalement, tu es Sukuna, mais non, c'est pas de ça, c'est que tu utilises toi-même ton territoire. Sauf que le territoire, c'est quelque chose d'assez difficile à maîtriser, tu vois que Nanami ne le maîtrise pas, donc parmi les élèves des écoles de Jujutsu, alors il doit pas y en avoir énormément, sauf qu'on a vu que Miwa maîtrise le territoire simplifié, et donc ce serait peut-être une des seules personnes qui pourrait combattre un territoire s'il venait à arriver. Bon, la suite du combat, voilà, ça n'a pas marché. Inumaki, il aura tenté de faire carrément exploser Hanami, mais ça ne portera pas ses fruits parce que voilà, la différence de niveau est juste trop énorme et c'est même pour ça qu'il aura eu du mal à le retenir. C'est parce que sa puissance dépasse largement la puissance des sorts d'incantation d'Inumaki. C'est carrément lui qui va avoir la gorge qui va juste exploser. Kamo, il va s'envoler et il ne va plus rester que Megumi et c'est là qu'on va avoir le droit au duo Zenin qui est juste magnifique. En plus, ils vont se battre avec des armes. Maki va arriver et quel plaisir de voir Maki parce que franchement après son épisode je crois que tout le monde est hypé par Maki qui va en plus se séparer du katana de Miwa. Déjà qu'elle était pauvre, franchement la pauvre, elle devra s'en racheter hein, et elle va sortir une arme légendaire qu'elle a, une arme de classe S. Apparemment il y a des classifications aussi pour les armes comme pour les exorcistes et grâce à ça elle va pouvoir se battre. Et d'où est sortie cette arme? En fait c'est Megumi qui la cachait dans ses ombres en fait, parce que voilà, lui il invoque des animaux avec des shikigami si tu préfères, avec ses ombres, hein, des ombres de ses mains, et donc c'est son sort. Donc est-ce qu'il peut stocker d'autres choses que des objets? Est-ce que ce pouvoir sera exploité un peu plus par la suite? Je sais pas, mais en tout cas c'était super badass. Même les moments où ils échangeaient les armes, mais c'était incroyable. Cet épisode il regorge de moments d'animation magnifiques. Et on nous dit bien que quand un shikigami de Megumi meurt, il peut transférer sa puissance à un autre. Donc
son loup de jade, son chien de jade blanc, bah ça y est, il est dead. Mais maintenant, il en a un noir et blanc qui est franchement badass et c'est super cool. Est-ce qu'au bout d'un moment, on aura une méga chimère de ces 10 créatures? C'est possible. Pourquoi pas? Même s'ils se défendent plutôt bien et ils ne réussiront pas à affronter Anami qui va réussir à les avoir. D'ailleurs, assez drôle puisqu'il va carrément expliquer son sort alors qu'il a déjà touché Megumi juste pour qu'il meure plus vite. Ah oui, cette Anami, elle est comme ça. Au passage, il y a encore eu le running gag de Megumi qui va utiliser sa technique de ouf comme il l'a fait presque devant Sukuna à l'épisode 4 ou un bail du genre, mais il n'a pas pu l'utiliser parce que les autres l'ont arrêté. Franchement, cette technique est super mystérieuse et c'est peut-être pour ça que Sukuna est intéressé par Megumi. Ça donne juste envie de voir ce truc. Mais apparemment, on ne le verra jamais, il sera toujours coupé. Et c'est là qu'All Might est Itadori et Todo sont arrivés. Parce que oui, quand ils ont dit la cavalerie est là, quand Maki a dit ça... Mais j'ai cru que ça y est, c'était le moment du crossover. Mais pas du tout. Mais c'était quand même hyper cool. En plus, tu sais, ça a lancé le générique et tout. Et ce qui s'est passé ensuite, le combat, les deux ensemble, mais c'était magnifique. Au passage, t'as aussi Panda qui va arriver pour faire sortir les personnes qui sont blessées et Momo dans le ciel qui est aussi en train de faire évacuer un petit peu le tout. C'est Itadori qui va se dresser seul contre Anami. Même s'il a eu un petit discours avec Megumi et tu vois qu'ils sont proches quand même. Oui, meurs pas si je te bute. Non, ça veut rien dire, il a dit je te bute si tu meurs, voilà. Donc voilà, c'est un truc classique dans les animés et c'est toujours badass quand ils le disent parce que c'est pour pas trop montrer qu'ils s'aiment bien, mais voilà, il ne veut pas qu'il arrive quelque chose à Itadori, mais il est sûr de lui. Et à chaque fois, c'est vrai que dans Jujutsu Kaisen, t'as ce côté assez spirituel des personnages et Todo, il va lui dire, là, il est en cours de changement, tu ne peux pas l'arrêter, il va se battre. Il va tenter de lâcher un rayon noir, désolé si parfois je dis éclair noir, mais c'est parce que moi, dans les premières traductions des scans que j'avais lu il y a longtemps, bah, c'était éclair noir. Et pour ça, il va devoir connecter son énergie maudite, en fait, la synchroniser avec ses coups à moins de 0,001 seconde. Ou exactement à ça. En tout cas, c'est juste impossible normalement. Déjà, rien que le concept de cette temporalité, ça marche pas. C'est, tu vois, ça va exploser le cerveau. Mais pourquoi pas? On est là, on est dans un animé. C'est normal qu'on aille trop loin. Et s'il arrive à faire ça, ça va distordre l'espace et son coup va avoir 2,5 puissance en plus. Oui, en gros, il sera beaucoup plus puissant. Et même si au départ, il va avoir du mal à faire ce coup parce qu'il était en colère, suite au fait qu'il ait appris que c'était un pote à Maito et en plus, il venait de voir Fushiguro blessé, bah il va se calmer et c'est là que l'animation était ouf. L'animation était ouf. En plus, t'avais Todo qui était juste derrière, qui faisait que regarder. Mais quel badass ce Todo! Parce qu'il ne l'aidera pas tant qu'il n'aura pas maîtrisé cette technique. Et son calme, il était tellement calme qu'il bavait. Oui, c'était pas parce qu'il avait la rage qu'il a fait ça. Et c'était magnifique. L'animation, voilà, je t'ai dit, avec la goutte d'eau et tout, c'était un truc de ouf. Franchement, je crois que ce sera la miniature de cette vidéo. Et encore, si c'était que ça, parce que après, c'est parti en cacahuète. Tu vois, les deux, les best of friends, les frérots, les bros, ils ont commencé à se battre tous les deux contre Anami, qui a réussi à survivre au coup du rayon noir. C'est normal parce que c'est un fléau de classe S, mais qui a quand même été très blessé. Yuji, à partir de ce moment-là, il est totalement différent. Il y a une grande différence entre les exorcistes, on nous dit, qui ont expérimenté le rayon noir et ceux qui n'ont pas expérimenté. Ils ont le vrai goût de l'énergie maudite, ils peuvent vraiment la comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il pourra peut-être devenir un des plus grands. Et le combat double est juste ouf. L'animation, elle s'est emballée, mais c'était un truc de fou. D'ailleurs, les OST aussi, à chaque fois durant cet épisode, étaient folles et accompagnaient parfaitement cette animation. Ça allait dans tous les sens. T'avais l'impression que c'était des Yamakasi sur des racines dans les airs. C'était un truc de fou. Et en plus, ils étaient totalement synchronisés, comme s'ils étaient vraiment meilleurs potes depuis super longtemps pour foutre la raclée à Anami. Sauf qu'alors que Todo et Itadori étaient en train de kiffer, les racines sont tombées. Les racines où ils étaient posés dans le ciel. Mais pourquoi? C'était tout simplement parce que Anami, c'est un fléau de classe S. Il fait pas juste de la manipulation de racines, mais carrément, il les crée. Donc il peut aussi les retirer juste d'un coup. Ils sont tombés. Et purée, cette esquive, ce moyen de se sauver dans les airs en rejoignant leurs jambes et tout. C'était juste magnifique. Je suis désolé, j'ai rien d'autre à dire. C'était beau!
Et Hanami va vraiment prendre goût au combat, alors que normalement c'est un fléau qui voulait juste remplir sa mission. Là c'est un pur kiff et elle va devenir beaucoup plus forte. Le combat continue, des jolies petites fleurs, mais surtout à la fin de cet épisode, Toto nous l'annonce, ça y est, il va nous sortir ses sorts. Et c'est vrai que le seul truc qu'on avait vu, c'était il y a plusieurs épisodes, quand tout le monde encerclait Yuji, alors il avait disparu, il avait été téléporté entre guillemets, donc peut-être que c'est un pouvoir qui serait lié à ça. On en verra plus la semaine prochaine, mais en ce moment, Jujutsu Kaisen, c'est le feu. Et le prochain épisode avec le pouvoir de Todo, croyez-moi, ça risque d'être vraiment, vraiment brûlant. Et avant de terminer, je vais vous parler de ce qui s'est passé juste après l'ending. J'ai vraiment kiffé. C'était hyper chelou, à la fois drôle et malaisant quand même. Le mec, il est en train d'envisager de créer un porte-manteau avec la colonne vertébrale de Gojo Satoru. Oui, parce qu'il y a des petits moments drôles juste après l'ending de l'épisode. Donc, n'oubliez pas de regarder cette partie. Bref, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner car chaque semaine, on va parler de Jujutsu Kaisen et il y a des vidéos spéciales. Par exemple, qui peuvent expliquer, parce que c'est dans l'introduction de Jujutsu Kaisen qu'on peut comprendre pourquoi Maki trouve que cette arme qu'elle utilise durant cet épisode, elle est dégoûtante. Après, c'est comme tu veux, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'être spoilés en lisant l'introduction. C'est vrai qu'elle révèle beaucoup de choses, mais l'auteur, il cache bien son jeu. En fait, il révèle des trucs sans vraiment les révéler. Pour ceux qui lisent les scans, vous avez capté. Enfin, il donne autant de bonnes pistes que de fausses pistes et c'est pour ça que c'est juste excellent. N'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur cet épisode de malade! Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous!